Ah, techniquement, c'est bon. On devrait être là. Techniquement. Techniquement, nous sommes là maintenant. J'espère. J'espère que ça fonctionne. Et bonjour, bonjour. Enfin, heureux. Rebonjour à vous. Oui, je sais pas. Je comprends pas le système d'événements. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas. Bon, bah, écoutez. On va reprendre le let's play de notre très chère Ariana Grande. Ariana qui a quand même bien gagné de l'argent de la veille. Hein. On a gagné. D'ailleurs, on n'a pas gagné 1400, mais on a gagné 1650 Simplouz. En fait, quand j'ai arrêté le live, j'ai lu une notification qui disait comme vu qu'on avait super bien travaillé, on avait reçu une sorte de petite prime. Et en fait, ça venait de là, les 250 Simplouz supplémentaires. Et bonjour à vous, bonjour aux personnes qui arrivent, comment est-ce que ça va? Alors, Ariana, elle dort, on va la réveiller quand même. Pas le temps de dormir, pas le temps de niaiser. Ah! Le son est très bas, on va augmenter le son quand même. Voilà. Et du coup, je lui ai demandé d'aller manger et de regarder un film. On va regarder la chaîne Humour, ça pourra augmenter son truc. Après, on va chercher du taf. Oh, dégueu. Dégueu, une assiette qui pue. Une assiette qui pue, c'est dégueu. Hey Miss LOL, coucou Pumpkin, coucou Queen Zella, coucou Carole, coucou Licorne, Nico, Lily, Morgane, bonjour Anna, comment ça va? Coucou Mélodie, coucou MSF, coucou Petite Licorne. Tiens, t'as les épées tôt. Oui, d'ailleurs, pour les personnes qui veulent m'ajouter en ami, il me semble qu'il y a une sorte de code ami qui apparaît sur le truc. Bon, pour l'instant, j'écris assez rapidement, hein, j'ai pas. Voilà, je vais vous donner ça tout de suite. Vous aurez une petite exclusivité. Alors, notez bien. Si vous voulez, c'est XVWCCU. Voilà, c'est mon code ami apparemment. Pour m'ajouter, je crois. Ça doit être ça. J'essaierai de vous le partager dans le channel communauté. Je mettrai un petit message. Comme ça restera. Coucou Alimo, ça va? Bah, écoutez-moi, ça va. Et vous, coucou Surimi. Je me suis endormie dans ton live, je suis désolée, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Attends, parce que là, X. XVWCCU. Exactement, c'est comme Carole, elle dit. Majuscule, bah c'est écrit tout en majuscule, mais je pense que c'est pareil, non? Chase Vic, top jet, toi aussi bien. Et Lolorine, coucou Luna. Coucou Rianator, coucou Lali. Coucou Petite Licorne, merci. Coucou Princesse Chat, coucou Chaton, Émilie, bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et du coup, là, on a regardé le film, tout ça, on va regarder les opportunités sur l'ordinateur, hein. On va chercher directement des contrats sur l'ordinateur. On va peut-être se faire encore une fois plaisir avec un bon petit contrat qui rapporte bien de l'argent. Alors, qu'est-ce que ça va nous proposer cette fois-ci? Il y a ça qui rapporte de l'argent. Ça non. Bah, ok, niveau 3 de la compétence comédie. C'est quelque chose qu'on a en plus. Flamme sauvage. Nous recherchons la prochaine star à la fois amusante et irrésistible pour la sixième saison de Flamme sauvage. Ça, c'est cool parce que c'est pas une pub, c'est une série. Sous les étoiles, des tas de feuilles et entre les sacs de couchage, les flammes de l'amour brûlent près du lac au camping sauvage. Préparez-vous à beaucoup de rires et d'amour avec tous vos moniteurs préférés. Ça va et toi, Roman? Coucou, Afonso. On va prendre ça. C'est un petit peu moins d'argent que le dernier contrat, mais ça rapporte quand même pas mal. Oh, c'est dégueu ce lavabo, Ariana. Si t'as des invités, tu fais comment? On va nettoyer ça un petit coup au pipi room. Et attendez, c'est le jour de l'amour. Être romantique, offrir des fleurs et aller à un rencard. Donc en plus, elle adore offrir des fleurs. Et de toute manière, on a techniquement toute la journée. Oui, puisque l'audition commence seulement samedi. Donc demain soir. On a toute la journée niveau 3 de la compétence comédie. En termes de comédie, on est niveau 4, donc on est bon. Mais ce serait pas mal quand même qu'on fasse la petite journée de l'amour. La journée de l'amore. L'amore, les gars. Pas la mort, mort. On meurt pas, hein. De l'amour, hein. On est d'accord, Love Story. Je commandais ton suite, j'ai hâte. Ah bah n'hésitez pas, hein, pour les personnes qui ont commandé, j'espère que tu le feras aussi, Quinzella. Vous m'envoyez une petite photo. Bon, si vous voulez pas vous montrer, vous n'êtes pas obligé de vous montrer avec, mais juste une photo du suite, au pire, si vous voulez pas. Parce que moi, comme ça me donne un petit aperçu. Voilà. Je suis choquée, qu'est-ce qui se passe? Ça va et toi, Carole?
Coucou live, ici Justi, comment ça va? C'est pourquoi le code ami, c'est sur Zepeto si vous voulez m'ajouter, je crois, sur le petit, la petite application sur téléphone Zepeto. Je suis en train de recopier l'évaluation de physique chimie, mais heureusement je t'écoute en même temps. Oh, bon, ça va, si c'est pour recopier, tu peux écouter. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah oui, pour l'amour. Est-ce qu'on a dans nos contacts quelqu'un? Alors, elle est pas bien parce qu'elle a fait trop de sport. Mais oui, on l'a complètement curb. Enfin, elle est courbature, on l'a complètement pété au sport. J'ai au festival des épices pour goûter la soupe. Voulez-vous venir avec moi? Bah écoute, je ne te connais pas, je ne sais plus qui était qui. Mais je vais venir juste pour rencontrer des personnes et faire la petite journée de l'amour. Passer dans tes vidéos MSP sur les situations. Oui, j'ai beaucoup de retard dans les situations. Mais heureusement, j'ai un petit souci avec les situations. C'est que soit les gens me disent que j'en fais trop. Quand j'en fais trop, les gens ils en veulent encore. Quand j'en fais pas, ils en veulent. Mais quand j'en fais trop. Bref, c'est assez compliqué. Alors, sur ta boutique, quand on commande des vêtements, comment fait-on pour voir où en est la livraison? Alors, normalement, c'est au moment où tu l'as commandé, ça va te dire combien de temps ça met. Voilà, de quelle date à quelle date ça peut arriver. Tu peux regarder dans tes mails au pire, Nico. Normalement, t'as dû marquer un mail au moment où t'as pris la commande. Et si tu vas regarder dans tes mails, ça va te dire combien de temps. Je crois pas que tu puisses voir exactement où est le colis. Ah, le chat, il s'est mis bien, là. Il s'est mis bien. Oh, il y a du people. Et merci, Lina. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. T'as déjà mangé Non, je n'ai pas encore mangé. C'est quoi ça par terre? On dirait du vomi. Non, je crois que c'est un tag, je crois. Ah, il y a une madame... Attendez, qu'est-ce qu'elle a dans la main, madame? Oh, je rêve pas, elle a un couteau! Elle a un couteau dans la main! Elle a un couteau dans la main! Oh mon dieu, c'est une tueuse! Véritable célébrité! Oh mon dieu, mais elle est tellement stylée avec ses petites chaussettes roses et tout, franchement! Oh mon dieu, et le couteau dans la main, quoi! C'est une tueuse en série, en train de se balader dans le plus grand des calmes! Dans le plus grand des calmes, elle est en train de se balader avec un couteau! Je reviens, je vais m'acheter de la bouffe. Je vais acheter de la bouffe. Ah bah moi je veux bien en chemin. Team québécoise, toi t'es quoi, française? Oui, enfin je suis techniquement polonaise, mais française aussi. J'ai même pas eu la notif. Ouais, je suis désolée. J'ai essayé de prévenir sur Discord qu'on partait en live. Alors lui, on le voit partout, ce Brad Pitt. Hein. Je l'appelle Brad Pitt, mais... Tentez de se présenter, on va faire ça. Mais bon, on n'y arrive jamais parce qu'on a un taux de célébrité trop différent avec lui. On n'est pas dans le même monde. C'est dommage qu'on peut pas essayer de devenir copain avec eux. Ah, ça c'est Marcus Flex. Ah, il y a de la bouffe. Elle est gratuite, la bouffe? On peut goûter la nourriture. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Est-ce qu'on peut prendre un truc de pas trop trop épicé? On va chercher la bouffe. Ah bah tiens, on va se fumer une petite chicha. Mais bon, faut pas oublier que c'est journée de l'amour. J'essaie en train de regarder s'il y a moyen de gratter de l'amour quelque part. Ah, lui, il est sympa, lui, non? Ouais, il a l'air un petit peu vénère. Hein. Lui, blanc, il s'appelle. On va faire une présentation. Oulala, ça par contre, je ne bouffe pas. Curieux des concours de festival. Ça vaut mieux pas. Je me rappelle une fois avec une team, j'avais bouffé un truc vachement épicé. Elle s'est sentie super mal après. Elle était malade. Elle était malade. Tu connectes plus sur le compte canadien. Je sais plus quoi. Il était un mois par une personne. Ouais, c'est vrai que j'ai plus trop le temps pour le canadien. Déjà que je me connecte à peine sur mon propre compte. Et que même Madame Toilette, ça fait un petit moment que je me suis pas connectée. Coucou Gabriel, coucou Amel, il n'y a pas de soucis, Nola, t'inquiète. Il est un combien le plus que tu as? Tu parles en taille, j'ai pris un L, mais comme vous voyez, il est vachement trop grand pour moi. Hein. On va faire des vampires, pourquoi pas des vampires? Pour l'instant, je vais essayer de draguer, mais il est mal à l'aise. Chanter une chanson du jour, offrir un cadeau du jour de... Voilà, pièce d'amélioration Covid. On va offrir un... ça je vais l'enlever parce qu'en vrai je m'en fous d'être là pour l'événement, moi je suis là pour ça en fait. Mais ça a pas compté? Ça a pas comptabilisé le cadeau? Là tu peux mettre n'importe quel objet de ton inventaire comme cadeau. Ah et si je mets ça? Non je peux pas mettre ça dans mon inventaire, ok j'aurais essayé. Et ça je peux le mettre non plus. Est-ce qu'il y a une boutique s'il vous plaît les gens? Est-ce qu'il y a une boutique? Est-ce que je peux acheter quelque chose pour l'offrir? Ah d'accord c'est un musicien. Là! Acheter une babiole. On va aller. Attends, à place d'acheter une babiole, on va carrément marchander. On va marchander. Je veux des trucs pas chers, j'ai pas beaucoup d'argent. Vous êtes intraitable de manière de négociation. Bon, je vous offre une réduction de 25% sur tout ce qu'il y a sur cette table. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, qu'est-ce qu'on peut acheter comme cadeau? Un truc pas cher, parce qu'on n'a pas d'argent de toute manière. Acheter des objets à prix réduit. Et qu'est-ce que nous avons là? Donc on a gagné quand même 25%, comme quoi le marchandage ça marche.
À quand les épisodes de l'Island Challenge? Dans la semaine, je vais essayer de le faire. Je ne vais pas vous promettre, mais je vais essayer. Normalement, c'était prévu pour cette semaine. Mon ex-crush est sur Snap, du coup, je suis grave gênée. C'est un peu personnel, lol. Alors, attendez, on va soit prendre une boule à neige. C'est le moins cher, hein. Poudre de piment. Ouais, on va pas offrir de poudre du. Ouais, allez, on va faire un petit. On va acheter ça. Une petite boule de Noël. Parfait. Où est-ce qu'il est le Gugus? Il est là. Il est là, Louis. Il est loin. Ouais, il s'est pas changé de chemise. L'autre, il a sa bière dans la main. Est-ce que ça va comptabiliser cette fois-ci? Ah non, mais non, c'est offrir des fleurs qu'il faut. Ça n'a rien à voir. On va complimenter l'apparence. Tant pis. En fait, j'ai fait ça pour rien, quoi. C'est affreux. Est-ce que ça m'a chanté une chanson du jour férié? Faire connaissance? Non. Coucou Johanna, tu me fais quoi comme pack 6? Au moins 3. Alors, heure de gloire, parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi au travail. Et chien et chat. Je pense que si maintenant je devais en choisir que 3 parmi ceux que j'ai, je prendrais les 3 là. Coucou Chacorn. Alors, est-ce qu'on peut lui offrir une rose déjà ou pas? Bon, on va tester la technique de drague, hein. Ça a l'air de marcher. La drague, ça fonctionne. On est une pose sexy. Bon, après, on n'ira pas plus loin que la fleur, hein, on va être d'accord. Et je parle de la fleur, la rose qu'on offre, hein, pas d'une autre fleur, hein, on est d'accord. Je fais une scène d'amour pour obtenir les pouvoirs. Non, on va peut-être pas lui. D'abord, on va lui offrir les fleurs. Alors, on peut lui offrir les fleurs. Offrir une rose, voilà. Offrir une rose, c'est parfait. Coucou Marine, coucou. Comment ça va? Allez, offre-lui les fleurs. Qu'est-ce que tu fais? Être romantique, ça a été fait. Tu lui as offert ou pas la fleur? Non, tu lui as pas offert. Pourquoi tu lui as pas offert la fleur? Pourquoi tu ne lui as pas offert la fleur? Je te demande juste une chose. Offre-lui la fleur. Embrasser sous le gui. Mais ça va, c'est que ça va vite ici. Mais pourquoi elle veut pas lui offrir la fleur? Mais offre-lui la fleur! Invite à rester dormir. Non, ça va un petit peu trop vite là. Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Ça va un petit peu trop vite là. Je ne peux plus lui offrir de fleurs, je comprends pas. Je comprends pas. Hein. Coucou Pixel, comment vas-tu? Taper ton sapin? Non, toujours pas. Mais je sais pas si je ferais un sapin en vrai. Parce que avec le chien dans le salon, c'est une très mauvaise idée. Hey, Ravenspolski, chest, chien, chiara. Hi, Derin. Demande, tu connais Biyun? De Biyun. Bah oui, que Carole, elle connaît Biyun. Et bien sûr. Bon, on va peut-être essayer d'offrir à quelqu'un d'autre la fleur. Hein. Peut-être à madame. Bon, après, Ariana, il me semble qu'elle est hétéro. Par contre, la madame, elle part depuis tout à l'heure toute seule. On va peut-être se présenter, non? Ou à ce monsieur-là. Il me stresse, ils parlent tous. Il me stresse. Jenki, chanchiara. Vitam nakana, ouais. C'est lequel le mieux add-on? Alors d'après moi, pour l'instant, je suis fan de Hors de Gloire. J'aime beaucoup, beaucoup. Ok, je suis en train de chercher. Là, il y a un monsieur. Arrêtez, il y a tout le monde qui bouge. Ah, oh, il est pas mal, c'est Akira. Lui, à chaque fois, je le vois, je dis à chaque fois qu'il est pas mal. Allez, va lui parler. Va lui parler. Of course. Merci, Gnome, bienvenue. À part les Sims Mobile, mais bon, c'est. Oh non, ça a pas grand. Enfin, si, ça a à voir un petit peu quand même, hein, on va pas se mentir, hein, ça reste les Sims, mais c'est vrai que comparer ça au vrai Sims 4, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même délire, quoi. Bah alors, tu te présentes Oh, bon, il est omnibulé par la musique de Brad Pitt là. Tu me saoules, Brad Pitt, tu me saoules. On va chercher quelqu'un d'autre.
Oh, attendez, j'ai pas de micro dans le coin. Non, j'ai pas de micro. J'aurais bien sorti le micro pour essayer de lui piquer la vedette. Mais non. Y a pas de micro. Il en a rien à péter de moi. Et y a une madame en slip, hein. Ouais, y a vraiment une madame qui se balade en slip. Elle est en talon et en slip. Madame, vous auriez pas oublié votre jupe quelque part? Non? Oh, j'ai la haine. Ils font plein de pourboire et moi, c'est la reste chez moi. Rentre, tant pis. On va rentrer. Tant pis pour le jour de l'amour. On aura fait seulement un petit truc du jour de l'amour. Achète de la laitue et ça fera un sapin pour le renouveler tous les 3 heures, lol. Coucou Maë, comment ça va? Drac, le musicien, bon, on peut pas. Parce que le musicien, il est tellement célèbre, en fait, qu'il veut même pas nous parler. Et je rigole pas, c'est vrai, il veut vraiment pas nous parler. On va regarder la chaîne humour. Madame a oublié un truc. Voilà, il manquait un petit problème. Il y a un petit souci de vêtements. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Ça va? Bah moi, ça va, écoute. Pizza ou hamburger? Hamburger, direct, hamburger. Moi, je suis pas trop pizza, sauf les pizzas maison, j'aime bien. Vitam. Non, t'as de vous pour la confier ce nombre, il me live hier. Jour férié de l'amour était tôt. Oh, ça va! Et on peut pas dire qu'il était horrible. Abusez pas, les gars. Bon, allez, on va prendre des restes et on va prendre une douche. Ouais, on peut pas dire que c'était le plus horrible des horribles jours de... Enfin, c'est bon, hein. On a quand même beaucoup dragué, hein. On n'a pas trop voulu ouvrir les fleurs, mais Brad Pitt dans la musique révélation. Ah bah oui, il s'est dit que sa carrière d'acteur allait être finie avec l'âge, tout ça. Hein. Il avait moins en moins de rôles et puis il a décidé de se reconvertir. Comment on peut t'envoyer la photo du suite? Alors, le mieux c'est que tu me... Je sais pas si t'as un compte Instagram. C'était un compte Instagram par Instagram. Soit tu me l'envoies en privé, soit si tu veux, si t'as ton compte Instagram, tu peux le mettre directement en photo Instagram en me taguant pour que je puisse voir. Voilà. Ou en privé, sinon après par mail hein, aussi, par mail ou sur Discord dans le partage. Voilà. Moi j'aime draguer sur les Sims. Ça, moi, ça, pourtant on s'en était bien sorti. J'ai pas compris juste pourquoi on pouvait plus lui donner la fleur. Je sais pas, elle avait une croix sur la fleur au-dessus de sa tête, mais c'est bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est chelou. Je sais pas, elle a pas voulu lui donner de fleur. C'est très bizarre. Laquelle de pizza orientale? Coucou Lina, je me suis foulé la cheville hier et j'ai une énorme douleur. En plus, en go, la mort, je bois ouf. On dit comme ça, Jess. Bah merci Amel et bon courage à toi, rétablis-toi bien. Elle voulait peut-être pas lui donner. Ouais, mais je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, ils étaient bien partis, ils étaient bien avancés au niveau de leur relation. J'ai pas compris. J'ai acheté des chips. Vas-y, mais en plus, ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de chips en vrai. Ça fait méga longtemps que j'en ai pas mangé. Tu penses avoir quoi pour Noël? Pas grand chose, hein, cette année, je pense. Si je posais une question, Big Mac ou nous, haha. Ne me posez pas cette question, ne me demandez pas de choisir. Coucou Johanna, coucou Francine. Venez, Bistro Cazel. Bah, en fait, faut que tu mettes bien la commande. Si tu mets pas bien la commande, il te répondra pas. Hop. Bah tiens, on va nettoyer ça. Ah, regardez, il y avait marqué chanter sous la douche. Ça serait bien de s'entraîner à chanter, puisque c'était vraiment catastrophe. Alors attendez, on a la journée libre jusqu'à 19h. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille s'entraîner à chanter en même temps en grattant des pourboires. Donc, on va aller dans le bar. On va juste lui demander de finir la douche. Un lave-vaisselle. Ouais, mais un lave-vaisselle, ça coûte cher, tu vois. À la limite, je pense que je vais juste recevoir de l'argent et je vais l'acheter moi-même, le lave-vaisselle. Je mettrai au bout et puis je m'achèterai mon petit lave-vaisselle après, quoi. Bon, tu peux pas demander à quelqu'un de t'acheter carrément un lave-vaisselle, à moins qu'il soit à plusieurs à 6 mètres. Et encore, vu qu'on n'est pas beaucoup pour Noël, ça va être compliqué, hein. Non, je pense qu'il y aura juste ma mère et mon frère puis qui viendront, puis c'est tout, hein. Et encore, mon frère, c'est même pas sûr, ça se fait, il va repartir en Pologne, je ne sais pas. Alors avec qui on va y aller? Si on invite, alors on est d'accord que plus on invite de gens, plus il y a de chances qu'on puisse avoir des pourboires. Donc moi je propose c'est qu'on invite un max de personnes, de préférence adultes, afin de pouvoir gratter des pourboires. mais Marine, je réponds dans le chat.
Marie-toi et fais une liste de mariages, MDR. Carrément. Porte de ma résidence ne ferme plus toute seule et tout le monde oublie de la fermer, j'ai trop peur. Ah, bah ça c'est pas cool, faut mettre un petit mot au syndic. Enfin, tu dis ça, mais en vrai, y aurait presque personne à mon mariage non plus, hein. Toute ma famille, elle est en Pologne, j'ai pas de famille en France, j'ai pas vraiment d'amis proches, donc il y aura personne non plus en vrai, hein. Alors, micro, là. Venez les gars. Oh, il y a la guitare. Mais non, là on s'entraîne à chanter. S'entraîner à chanter. En plus, ça peut augmenter la notoriété. Bon, techniquement, ça devrait me la baisser vu comment elle chante, mais c'est pas grave. C'est la fille qui a fait exprès. Non, j'ai de la concurrence. Donnez-moi des pouvoirs à moi. Je chante mieux qu'elle ne fait de la guitare. Merci. Bon, ça va. Elle sait pas faire de la guitare non plus. Ça va. Ça va. Tu peux faire une vidéo 24 heures comme un Sims? Oui, c'est prévu aussi. Je dois le faire, mais il faut que je me motive à le faire surtout. Bah, peut-être que ce soir on commencera déjà par créer. Peut-être qu'on fera du Sims ce soir. Pourquoi pas, pour créer mon appart. On verra bien. Moi j'ai vu une notif de. Bah, c'est son nom, mais je veux pas le dire. J'étais en mode oh non. Oui, donnez de l'argent. Allez, donnez. On est pour les pauvres petites Ariana. Ariana Grande, besoin d'argent pour manger. Give me money. Bon. Ah, 6 simflouz, ça s'améliore. Au début, je gagnais 2 simflouz, après 4. Maintenant, il y a des fois des personnes qui me donnent 6 simflouz quand même. Il n'y a pas assez de monde par contre là. Allez, venez. 6 simflouz. Yes, on est passé à 6 simflouz. Je pense que plus la compétence elle augmente, plus on gagnera 2 simflouz. Ouais, depuis qu'on est passé niveau 3. En fait, au niveau 4, on gagnera 8 simflouz, après 10 simflouz, je pense. Et etc, etc. Allez, donnez de l'argent. L'argent. Jimmy, toi aussi, madame. Je vois le fric dépasser de ta poche. Je vois le billet dépasser de vos poches, les gars. Oui, c'est bien. Alors, je ne sais pas, on a fait au moins plus de 50 simflouz, là. Par contre, on n'est toujours pas amélioré niveau champ. C'est toujours catastrophique. C'est toujours la catastrophe niveau champ. Bah après, je sais que pour regarder plusieurs lives en même temps, vous pouvez. Il y a des sites qui proposent de regarder deux lives en même temps avec les deux chats et tout. Je sais, oh mon dieu, comment les gens ils font pour suivre deux. Ok, on commence dans une heure, donc on va commencer à rentrer tout doucement. Elle a donné le pognon. Oui. Kevin, non, je peux pas aller au bar à côté déjà parce que j'y suis déjà. Un, et de deux parce que de toute façon, faut que je rentre pour l'audition. On va rentrer. Allez, on rentre pour l'audition. Comme ça. On sera pas en retard quand même. Gros chocolaté, coucou Lilina, comment ça va? On va pouvoir quand même. Je pense qu'on va réussir l'audition, il y a intérêt. On a quand même. Comédie, on est 4, il fallait avoir 3. On n'a pas le temps de bouffer, donc on va laisser comme ça. Elle va partir à l'audition maintenant, de toute manière. Voilà, elle est partie. On croise les doigts pour réussir l'audition, en plus c'est une audition qu'on n'a jamais eue, qu'on n'a jamais fait encore. Pour une série qui peut être cool. Une soirée célibataire au bar. Allons-y rencontrer de nouvelles personnes. Dixit, le mec que j'ai dragué quand même. Audition réussie. Parfait. On a réussi l'audition. Et on va commencer lundi à 9h. Donc on a le temps quand même. S'entraîner à jouer des scènes romantiques. Et développer la compétence comédie. Pas commencer. Et est-ce qu'on est bien? On est bien. Donc ce que je propose, c'est qu'on retourne au bar. Comme ça, on pourra s'entraîner à jouer la comédie avec quelqu'un. Bah écoute, Lilina, chez moi, ça va aujourd'hui. Il fait pas chaud non plus, mais ça va. Pourquoi tu pars pas en Pologne pour venir comme ça, tu seras avec eux pour Noël. Bon, on va dire que... Vu qu'on n'a jamais vraiment fêté Noël avec notre famille en Pologne, c'est pas habituel, quoi. Voilà, on va les voir quand on part en vacances ou quoi, mais pour Noël, on l'a toujours fêté en petit comité à la maison. Donc voilà, c'est une question d'habitude. Et puis bon, aller jusqu'en Pologne, c'est pas gratuit. Hein. Il y a du chemin, il faut prendre du temps, faut planifier les jours de vacances. Ce genre de choses, c'est pas simple. Ça, c'est pas en un claquement de doigts. Hey Johanna, comment ça va? Alors ici, on va ramener pareil un max de personnes. Lui, tu vas venir. Les gens avec qui on a quand même de l'affinité. Voilà, c'est parfait, on les invite. Il chaud chez moi, parce que chez moi il fait pas froid, mais il fait pas chaud quoi. Il fait froid, il a plu. Ouais, par contre chez moi je pense qu'il a plu parce qu'il faisait humide dehors quand même. Hein. Il faisait quand même humide. Coucou Zara. On est arrivé au bar et on invitait pas mal de gens. Et écoute, on va lui jouer déjà la sérénade. Hein.
Et merci Lydia, bienvenue Lydia, merci beaucoup pour ton abonnement, bienvenue dans la team Citron. Bienvenue. On peut pas lui faire... voilà, jouer une scène d'amour pour obtenir des pourboires. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça déjà? Jouer des scènes romantiques. Oh mon dieu, carrément. Il m'a même pas donné de pourboire. Oh! 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 C'est quoi ça? Et merci Logan, bienvenue à toi. Oh mon dieu, j'ai eu plein d'argent. Oh, ma sim c'est devenu une chouin. Et merci Popstar, bienvenue à toi. Ma sim c'est devenu une chouin. Elle est devenue une chouin, voilà. Hey Inata, coucou, comment vas-tu? Coucou Dianco. Tu vas bien? Bah écoute, très bien, et toi? Oh mon dieu. Est-ce qu'on peut le faire à d'autres personnes, genre... chuchoter à propos de la célébrité. Ah, d'accord, c'est pour parler sur le dos de quelqu'un d'autre, quoi. Est-ce qu'on peut le refaire? Ou est-ce qu'il faut avoir quand même un minimum d'affinité? Quoi, licorne? Oh my god, vous avez vu le nombre d'argent que ça m'a... Est-ce que je peux le refaire? Pour de l'argent, bien sûr, hein. Voilà, jouer une scène d'amour pour obtenir des pourboires. Rien à foutre, je leur fais. Bah déjà d'une, parce que ça m'augmente de 50% pour finir. Alors on est à combien? 787. Bon bah cette fois-ci, on n'a pas reçu de l'argent. Je pense que vu qu'on l'a déjà fait une fois, on peut pas abuser non plus. Mais bon. Par contre, le micro, il est pas pris. Donc à la place qu'ils nous prennent la vedette, on va rapidement chanter la... Ah, un nouveau truc. Chanter la sérénade. Ouais, non, mais je pense que chanter la sérénade, faut pas abuser. Chanter une chanson pop. Chanter demain et aujourd'hui. Peut-être que ce sera mieux. Peut-être. Je ne suis pas sûre, on verra bien. Rien à la chouin. Rien à la chouin. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. On est d'accord, c'est mieux. C'est pas encore Ariana, hein, mais c'est mieux. Bah, c'est largement mieux. C'est pas encore de l'Ariana. J'ai pas fait gaffe. Oh, si, on a reçu un petit peu d'argent. On va mettre autre chose. Chanter une chanson folk. Chante Bri-Bri, petite étoile. Donnez-moi de l'argent. Si, s'il me plaît, il me donne toujours. Venez de mon côté là. Je joue mieux que lui. Oh, 16 Team Plus, 24 Team Plus, ils m'ont donné beaucoup d'argent. Les morceaux de disco et des balades en duo sur la machine de karaoké. Ariana chante trop bien, ça a évolué. Bah, c'est sûr que comparé à avant, je ne dis pas l'inverse. Bon, on va laisser s'entraîner tranquillou et quand elle sera fatiguée, on va la renvoyer à la maison quand même. Après, on a encore toute la journée. Vous pensez que ce serait quoi le mieux d'investir maintenant? Bah justement, en parlant de monnaie, Juju, on va pouvoir un petit peu améliorer la maison, nos conditions de vie. Mais qu'est-ce qui est important? Par quoi commencer? Là, je pense qu'on va rentrer parce qu'il y a tout le monde qui se barre. On commence à avoir des vampires même. Et je ne reçois plus d'argent. Ils me volent la vedette. Ils me volent la vedette, on va rentrer. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir investir. Allez, je me casse. Vous ne comprenez pas mon art. Mon art est abstrait. Coucou Elodie, coucou Perrine, coucou Cléa. Coucou Zérine, je fais mes devoirs, c'est pour ça que je ne suis pas là. T'inquiète, bah bon courage pour tes devoirs. Je peux te poser une question? Oui, Marine. Pour Noël, un sapin. Bah, ah bah tiens, c'est vrai qu'on pourrait commencer. Alors moi, ce que je voulais faire d'ailleurs, c'était bloquer la saison pour... bah tiens, c'est ce qu'on va faire. On va bloquer... on va sauvegarder au cas où si je fais une connerie. Mais ce serait bien qu'on bloque la saison dans les options pour l'hiver. Saison. Maintenant, je voulais... Comment on fait déjà? Normalement, on peut le bloquer.
Ah. Normalement, ça aurait dû être là. Il me faudrait le code pour... faudrait que je mette 28 jours et que je bloque. Bon, pour l'instant, on va laisser. Mais il va falloir que je vérifie tout ça. Vite, va au pipi. Vite, 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 vite. Elle va se faire dessus. Elle va se faire dessus. Vite, dépêche-toi. Je suis malade et je mange des guimauves. Oh bah, des fois, ça aide, hein. Et allez, il va dormir. On peut bloquer la saison? Bah, il me semblait qu'on aurait pu, mais je vois pas d'option justement pour la bloquer. Mais j'ai vu qu'on peut augmenter à 28 jours. Donc au pire, on met 28 jours et puis si on arrive à finir la saison, on remettra à l'hiver. Je sais qu'il y a y a un code justement pour changer la saison en cours de saison. J'ai écrit un mot et je l'ai mis sur la porte du hall. What? Ah, pour fermer, pour bloquer la... Enfin, pour la porte, ouais. Ouais, tu peux mettre... Enfin, après, le mieux, ça reste quand même d'appeler le syndic. Parce que je ne sais pas si... Puisque des fois, le syndic n'habite pas forcément dans l'appartement. Des fois, c'est des gens qui louent et du coup, qui ne sont même pas sur place. Alors, ok, manger et pipi room. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez, va chanter sous la douche. Et ensuite, va me nettoyer cette chose-là. Parce que Madame Toilette, elle serait pas contente. De rejoindre le groupe Les Chevaliers Errants. Non, je sais pas ce que c'est ton groupe, ta secte, là. Je sais pas ce que c'est, donc je préfère pas. Oui, tu appuies sur quoi pour faire apparaître la barre pour taper les codes dans les Sims? STRL Shift plus C. STRL Shift C sur ton clavier, les trois touches en même temps. Coucou Chamallow. Elle est belle. Ariana, oh, elle est magnifique. Et merci les tutos de R, bienvenue, merci beaucoup pour ton abonnement, bienvenue, bienvenue. Oui, je connais Devo, et bon, après, des lives avec elle, je pense pas qu'elle veuille. Coucou Romaïssa, je viens d'arriver, j'ai raté quelque chose. Non, hier j'étais sur ton live, ah nice, ça c'est bien, tu vois. Ça c'est bien d'être sur les lives de la quinzaine. Bon, sans déconner, je ne sais pas dans quoi investir, je ne sais pas c'est quoi le mieux pour investir. Moi, à chaque fois, j'aime bien avoir beaucoup d'argent pour pouvoir dépenser beaucoup d'argent d'un coup. Ah oui, on avait dit peut-être pour des décos de Noël. Ça fera un petit peu moins... Voilà. Hein. On va décorer pour Noël. On va décorer pour Noël. Alors, techniquement, je peux mettre par objet et filtrer en mettant juste les trucs de fête. Pack. Voilà, fête de fin d'année. Voilà, comme ça on a le sapin. Je crois qu'il y avait un autre sapin qu'on nous proposait aussi, avec les saisons. Mais celui-là est beau quand même. Mais bon, on va prendre en vert. On va prendre en vert. Tu as prévu 10 heures pour les 100K? Pas sûr. Je pense qu'on va le mettre là. On va peut-être déplacer un petit peu ça. Et mettre ça ici. Avec des petits cadeaux, comme ça. Voilà, pas trop non plus, hein. Fait que bug, ça saoule. Ah, bon, je pense que c'est ta connexion, parce que chez moi, ça fonctionne bien. Est-ce que tu nous partageras tes CC et les liens? Oui, alors ce qui est prévu, c'est une vidéo où je vous présente Ariana et je vous mets tous les liens pour télécharger les CC d'Ariana dans la description. Et en même temps, je partagerai Ariana dans la galerie pour les intéressés. Pour les gens qui veulent avoir une Ariana qui apparaît exactement comme la mienne. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Tu sais dessiner? Pas trop, non. J'essaie de temps en temps, je dessine quand même. Je rêve aussi avec du sable. Snowy, le bonhomme de sable. Ouais, ça c'est pour... Oh, comment elle s'appelle la ville du désert, là? Je ne sais plus. Je regarde un petit peu ce qu'on peut mettre comme autre petite déco, mais pas une grosse déco, hein. Parce que là, déjà, sapin, ça fait vraiment beaucoup décorer. Ça, on peut pas le mettre au-dessus de la porte. Lol. Je pense qu'on va rester on va rester sur juste le sapin, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Hein.
Ouais, on va rester juste sur le sapin. Par contre, il nous reste 1300 simplouz. 1300 simplouz, on peut pas acheter grand-chose de bien, quoi. Donc pour l'instant, j'aimerais bien acheter peut-être une machine pour faire du sport après. Comme ça, pas trop besoin non plus d'aller à la salle de sport. Même si en même temps, ça nous fait sortir et qu'on reste pas tout le temps bloqué avec la sims dans la maison. Par exemple, là, on va ressortir. On va ressortir, hein. On a jusqu'à ce soir pour aller travailler. Enfin non, même pas jusqu'au demain, parce que c'est lundi, je crois. C'est lundi, on est d'accord qu'on va aller travailler. C'est pas dimanche. Tous les codes Sims que je connais, s'il te plaît. Ce que je voulais faire, en fait, c'est pas forcément sur tous les codes Sims que je connais, mais tous mes codes Sims préférés que j'utilise souvent voilà, je vais vous partager. Alors, comme d'hab, on va éviter un max de personnes. Non, peut-être pas des enfants, puisque je pense pas que les enfants puissent me donner des pourboires, hein. Donc, on va pas prendre la madame là, parce qu'elle a pas de cheveux, elle me stresse. Elle me stresse, ses cheveux bug. Coucou Sudluna, comment vas-tu? La chambre d'Ariana ou un nouvel ordinateur? Ouais, mais si je refais la chambre d'Ariana, j'aimerais bien acheter un grand beau lit, tu vois. Et j'ai même pas assez d'argent pour ça. J'ai même pas assez d'argent pour l'acheter un beau lit. Allez, hop ici, on va s'entraîner. En plus, elle est inspirée. Voilà, comme ça, on gagne un peu plus d'argent. Et qu'est-ce que je voulais voir? On commence le travail lundi à 9h, pardon. C'est pas lundi soir, c'est lundi matin. Faudra se réveiller, les gars. Ça marche, Limo. Tiens, ça, c'est des chauves. Mais non, c'est juste qu'en fait, c'est même pas ça. C'est que ses cheveux, ils bug. Du coup, ça fait une sorte d'ombre sur le front. Et ça fait pas beau. Coucou, demi-lune. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous partage pas tous mes CC d'un coup. Parce que, déjà, d'une, ce serait trop travail pour moi de trouver tous les liens. Et de deux, il y a des CC qui sont buggés. Il faut que je prenne le temps de faire des tri H24. Ouais, non, mais je connais les cheats pour l'argent sur les Sims, mais non. Pourquoi tu fais pas m'overload? Parce que sinon, ce serait pas drôle. En 2 secondes, le jeu il serait fini, on s'emmerderait. Je t'ai follow sur Zepeto. Ah, merci Gaël. Je rappelle, Zepeto, c'est XVWCCU. Pour les personnes qui veulent retrouver ma Zepeto. Enfin, je sais pas comment on dit ma Zepeto. C'est ça qu'on dit, je crois. De manière, tout à l'heure, j'avais l'intention de faire un petit live MSP pour partager ma Zepeto aussi. Hein. Voilà. Parce que je veux dire, vous êtes beaucoup à en parler là sur Discord, ça m'intriguait parce que j'aimais bien les personnages, j'ai trouvé mignon. Oh, on a atteint niveau 5 maintenant, les gens nous donnent 10 simplouz de pourboire. Oui, de l'argent, plus d'argent. On a presque gagné 200 simplouz depuis qu'on est venu. Hein. Donc ne vous moquez pas. Par contre, on va pas rester non plus super longtemps, il est déjà 2h du matin, elle travaille à 9h, ce serait bien qu'elle soit en pleine forme pour aller travailler. Attends, non, c'est pas ça, Joanna, XVWCCU. C'est XVWCCU. Voilà. Et je suis fière car je suis jamais déçue. Merci Romaïssa, c'est gentil. Bon, on travaille pas pour MSP donc ça va être compliqué, Emily. Genre les Sims 4 lundi. Ah, nice, ça c'est bien. Super jeu. Mais dommage qu'il y avait les promos là il y a pas longtemps. Attends, on va attendre que la madame me donne l'argent. Voilà, et on arrête. On va rentrer parce que si elle a faim et tout ça, j'aimerais bien qu'elle soit en forme pour aller au travail quand même. Ce serait bien. Voilà, comme Carole a écrit XVWCCU. Enfin, je vais connaître par cœur aussi. Coucou Camille. Pourquoi tu fais du Fortnite? Tu veux dire pourquoi j'en fais pas plutôt? Parce que je préfère Overwatch, quand même. Prendre des restes, t'as besoin de parler, mais on parlera demain. C'est moi, lui voudrais-tu aller à un rencard avec moi? Ah, oh, je suis désolée, le mec, il m'appelle à 3h30 du matin. Ouais, s'il te plaît, ça te dit un petit rencard avec moi, un petit resto. Non, pas cette heure-ci. À quand dit Overwatch? Bon, je suis dans la semaine, t'inquiète pas. Mais du coup, Zepeto, ça pirate? Non, je pense pas. Coucou, Jeanne. Je viens d'être ajoutée. Merci, Caro également. Merci, merci. J'irai vous follow aussi tout à l'heure. Après, j'apprends encore à utiliser Zepeto. Hein, donc, si je suis noob dessus, faut pas m'en vouloir non plus. Alors, on va la rejoindre au travail. Bien naturellement, parce que j'aime beaucoup la rejoindre. Parce que déjà, d'une, si on a qu'un seul personnage à gérer, autant la rejoindre au travail. C'est quoi, Zepeto? C'est une application sur téléphone.
qui te permet de créer un petit personnage. Je trouve ça assez marrant, je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le personnage. Et en fait, tu peux faire des, prendre des photos avec tes amis, les gens que je crois que tu follow et qui te follow. Et du coup, c'est cool. Sinon, à voir sur Discord, ils en parlent pas mal. Sur mon Discord. Ok, on est arrivé. Peut-être aller d'abord au pipi room. Ils sont où les toilettes? Normalement, il y a des toilettes, oui. Alors, les toilettes pour femmes, c'est lesquelles? Ah, c'est peu importe. Les deux, ça marche. Ok, donc, se faire coiffer, maquiller, répéter la scène avec la co-vedette. La co-vedette, elle est souvent ici. Non, c'est figurant. C'est elle, la co-vedette? Non plus. Co-vedette, ici. On va faire une présentation amusante pour changer. Petite présentation amusante. Je vais l'installer, ça marche, Romaïssa. Allez, viens te présenter. Répéter la scène, voilà. Être à jour, ok, est-ce qu'on peut mettre être à jour son statut? Voilà. Ensuite, on va faire se faire coiffer, se faire maquiller, mettre le costume pour le contrat. Être drôle sur le plateau. Alors, être drôle, plus de choix, drôle. Ok, présentation amusante. Au pire, on va parler avec la maquilleuse. On parle tout le temps avec la maquilleuse. On va faire drôle, on va marquer... monter une blague sur les canards, tiens. Manger? Ah oui, parce que oui, il y a un petit coin bouffe ici. Hein, on l'oublie pas, le petit coin bouffe, là. On ne l'oublie pas. Alors, on a choix. Chips ou sauce mexicaine. Pizza pepperoni ou ça a l'air d'être des pâtes, même pas, des tons cuits à la cocotte. Alors franchement, on abuse sur la pizza avec Ariana, je me demande comment elle fait pour garder la ligne en bouffant de la pizza tous les jours. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de manger du thon pour changer un petit peu de la pizza quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on peut changer la couleur, je sais que c'est un truc que je ne fais jamais, mais c'est vrai qu'on peut changer la couleur ici. Mais je n'y pense jamais en fait. On va mettre en rose, hein. Vous me connaissez. Hein. Vous connaissez celui-ci ou celui à petit... Non ? Le foncé, c'est un dégradé. On va mettre le rose pâle. Et là, ouvrir le carnet. Non, on va rester comme ça. Ok, on dirait une livreuse de pizza, Domino's Pizza. Ah, on n'a pas été drôle sur plateau, ça n'a pas fonctionné. Cliquez sur... comme raconter des blagues ou des histoires, ça n'a pas marché. On va essayer d'être drôle avec lui. Faire une imitation. Voilà. Et après, dire au réalisateur que le tournage peut commencer. Réalisateur, voilà, parfait. J'ai hâte de savoir. J'ai même pas trop regardé le décor. Oui, bah oui. C'est un décor de camping. Je vais peut-être juste répondre quand même parce que ça fait un petit moment que on me spam. Allô? Oh, désolé. Désolé. Gacha Life demain. Gacha Life, c'est tous les mercredis. Bah ouais, bah c'est demain. Puisque demain, c'est mercredi. Allô, pas de réponse. Bah c'est normal, j'ai coupé le micro pour pas que vous entendiez la conversation. Allez, flirter risqué, comme d'habitude, on fait tout en risqué. On est des ouf. Voilà. Yes, à 15h, ouais. Ça, c'est fait. Maintenant, ici, embrasser, risquer. Là, il faut faire un autre truc. Jouer une scène de baiser. Jouer une scène où le personnage raconte une histoire. Ici. C'est où, c'est là? Oui, c'est là.
Mais elle est stylée quand même, Ariana, hein, dans son rôle. Elle est bien dans son rôle. Bon, ouais, elle ressemble un petit peu à une tarée qui abuse un petit peu, qui est en hyper. Hyper actionnée là. Ok, on a terminé la performance, c'est nickel. Est-ce qu'on prend de la bouffe? Oui, comme d'habitude, on va piquer. Bah, cette fois-ci, on va piquer le thon. On va pas abuser, on prend le thon. Hein? Ça sera un petit peu moins que des pizzas quand même, mieux je pense. On va peut-être faire connaissance avec la codette, son sur salaire. On va faire connaissance en attendant. Ok, donc nous avons gagné 1275 Simflouz. Et on a gagné de la notoriété, donc on va rentrer chez soi. On gagne de plus en plus d'argent, ça c'est cool. Ah, j'ai entendu un petit bruit. Quelle journée de travail! Eh ben oui, star montante, nous sommes devenus une star montante. Ariana est désormais considérée comme une star montante. Elle a gagné 2 points de notoriété supplémentaires qu'elle peut utiliser pour acheter des avantages de notoriété. De plus, elle peut désormais signer des autographes ou poser pour des photos pour d'autres Sims. Un lieu fantastique pour ses activités et le type d'événement rencontre avec une célébrité. Elle peut désormais l'organiser en sélectionnant organiser un événement social sur son téléphone. Ok, on a les factures, c'est un petit peu moins drôle, mais il faut les payer, donc on va payer les factures, mais on commence à bien gagner de l'argent, et ça, ça fait plaisir. Et aussi la notoriété qui fait plaisir. Attends, on va mettre ça au frigo, ça, on va le mettre là, ça pue, et ça, on va mettre ça ici. Ah, ok, ça, on enlève. Ok, donc on en profite déjà, on va trouver le prochain job, parce que bon, à chaque fois, il faut quand même attendre. On va regarder sur l'ordi, ça fait un peu plus... Ça fait plus... voilà. Carrière. Chercher des contrats. GGG, merci. Merci beaucoup. Pourrais faire une vidéo des épéto, pas ma quinzaine. Peut-être, mais après, honnêtement, je... Voilà, j'ai envie de te dire, je pense qu'on peut pas faire grand-chose non plus. Hein. Ah, c'était quoi le message que j'ai eu en bas gauche? J'ai pas fait gaffe, mais il était, je crois, rouge ou quoi. Ok, on va reprendre ça, donc c'est les créatures de la forêt mauvaine. Compétence recommandée niveau 3 de la compétence guitare. Alors qu'on s'entraîne à faire de la guitare. Audition le mardi 19, contrat le jeudi 9. Ok, vous voyez c'est ça. Et j'ai entendu parler de ta récente amitié. Ah ok, j'ai peur parce qu'il était... Ouais non mais c'est normal, c'est moi qui ai mis le rose en fait. Je croyais qu'il était rouge mais c'est rose. C'est parce que j'ai changé la couleur du téléphone ça. Is normal. Bon par contre ça on va le réparer plus tard, tant pis. On va aller au bar, là où il y a de la guitare. Et est-ce qu'on peut organiser un événement, tiens. On va déjà envoyer ça. On peut planifier un événement. Réserver une détox de célébrité. Ça sert à quoi, ça? Une détox supprimera tous les avantages de notoriété. Ah, oui, c'est vrai. Choisir une nouvelle série d'avantages de notoriété. Ah, d'accord, donc ça coûte 275 simflouz pour remettre ses avantages. Ok. Attendez, on va organiser un événement social. Est-ce qu'on peut faire payer pour les autographes? On sait jamais. Alors, événement social. En fait, c'est la même chose, sauf qu'on a plus de trucs, vu qu'on a plus de notoriété, c'est tout. Bah non, ça m'intéresse pas, en fait. Bon, on va aller voir maintenant si ça change quelque chose, si on va... Bon, les gens vont nous demander des autographes, si... Si ce genre de choses, on va aller au bar des orchidées et on va ramener comme d'hab un max de personnes. Monsieur Poulet, on va inviter, Shingo pareil. Attends, Vanessa, on va la prendre parce qu'elle est notre meilleure amie quand même. C'est notre meilleure amie. Oui, on va prendre des avantages, ouais. On va prendre des avantages, on va aller voir un petit peu ce qu'on a pu débloquer. Oh merci Morgane, c'est gentil. Merci beaucoup. Estella. Alors, attendez, on va vérifier en termes de avantages. Donc c'est au travail, je crois qu'on pouvait le faire ça. C'était où déjà les avantages? C'était là-dedans, voilà, point de notoriété, donc on a 2 étoiles. Alors, on peut maintenant distribuer 2 points de notoriété. Alors soit on continue dans la même branche avec, en tant que célébrité, Ariana accédera à un service de livraison exclusive réservé à l'élite de la société. Chaque jour, une nouvelle potion Célébus Sérum arrivera par courrier. La potion peut remonter le niveau de ses besoins ou ajouter ses émotions. Dans tous les cas, elle améliorera la vitesse à laquelle elle développera ses compétences pendant un certain temps. C'est intéressant. Et si on met ça...
Ça devrait débloquer un autre truc, non? Si on met ça. Non, ça débloque pas parce qu'il faut avoir au moins niveau 3, je pense. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on prenne ça. C'est ce que je prévoyais de prendre à la base parce que ça, vu que vraiment ça concerne YouTubeur et qu'on va pas faire ça avec Ariana, ça va être plus le côté Arlililil. Du coup, ce qu'on va choisir, c'est ici facilité à se créer un réseau pour avoir plus de facilité à parler avec les gens. Donc, on va prendre ça. Voilà, parfait. Perfect. Perfect. C'est très très perfect. Alors, déjà, vu qu'on a besoin de divertissement, on va parler avec les gens. Y a pas des gens qui veulent se prendre en photo avec moi? C'est la fille, elle est genre en mode trop trop la tristesse, pas assez famous, tout ça. Discute avec les gens pour monter un peu ton divertissement. Et vite, après, prends la guitare. Parce que c'est vrai que j'avais pas pensé, mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui pique la guitare... Ok, elle commence à s'entraîner à la guitare. Les gens me donnent un petit peu d'argent. Bon, 2 simpous, c'est toujours mieux que rien. Autant s'entraîner en public, tiens, pour gagner de l'argent. Pas difficilement, mais bon, 2 simpous, c'est pas ouf non plus. Hein. Après, elle est qu'au niveau 1. C'est normal. Hop. Non, on a encore rien reçu par courrier. Normalement, le courrier, de toute manière, c'est à la maison. On sait jamais, elle aurait pu avoir un truc pour des. Enfin, pour que ça augmente plus vite. Par exemple. Allez, gimme de l'argent, gimme, merci beaucoup. Donnez-moi l'argent. Gimme l'argent. Atteint niveau 2. Allez, encore un niveau et puis on est bon. Je fais moi faire bonne musique. Moi faire très bonne musique. La notoriété, franchement, elle augmente pas ouf avec les trucs, hein, mais bon. C'est quand même 3 in 1. Hein. On augmente la compétence, on gagne un petit peu d'argent, on gagne un petit peu de notoriété. Money. On a besoin d'argent pour tout simplement pour vivre. Enfin, on dit ça, mais ça va, franchement, en 2400, c'est close. On va pas se plaindre non plus, faut pas exagérer. Merci beaucoup, l'argent. Toi, monsieur, toi en costume cravate, tu me donnes que 4 simflouz. Franchement, il est sérieux. En costume cravate, tu aurais pu me donner au moins 100 simflouz là. Et toi, Brent, je sais que t'es riche. Bon, monsieur, avec sa retraite, ça va être un peu plus compliqué, mais. Mais s'il vous plaît. Ah, madame, elle me donne 4 simflouz, regardez comment elle est habillée. Ah, c'est bon, compétence niveau 3, on va arrêter, parce que le but, c'est pas de se faire pipi dessus. Hein. On va rentrer tranquillement à la maison. D'ailleurs, on commence à quelle heure le travail? À 19h. Oh, ça va, en fait, on a encore toute la journée le lendemain. Coucou, Axel, comment vas-tu? Pour acheter un grenier pour Ariana. Non, j'utilise pas de code, en fait, Elodie, sur cette partie. Ma chaîne, faut bien jouer pour avoir plein d'argent. Oui. Tu insinues quoi qu'elle sait pas jouer? Bah si c'est ce que tu insinues, tu as raison parce qu'elle ne sait pas jouer. Elle ne sait absolument pas jouer. Tiens, on n'a pas assez d'argent pour. Voilà, on va économiser, on va réparer ça nous-mêmes. On va plutôt chanter sous la douche. Et puis après aller dormir. Et bah écoute, Fashion, ça va tranquille. Ouais, ils sont super classe, ils donnent rien. C'est vrai que, en fait, je suis assez d'accord avec le fait que par rapport à un autre niveau, on gagne tel nombre de simflouz au niveau des pourboires, mais j'aurais préféré genre que ce soit aléatoire. C'est-à-dire que pas tout le monde me donne H24 4 simflouz. Ça fait pas très naturel. En fait, ça serait bien que genre il y en a un qui me donne 2 simflouz, l'autre derrière il me donne 7 simflouz. Si t'as de la chance et qu'il y a un blindé qui passe par là qui te donne 20 simflouz. Enfin, vous voyez ce genre de système un peu plus aléatoire. Coucou Miss Luffy. Sur une autre story, mais la vérité, blessed for Ariana. Oh mon dieu. Alors, convention geek. Attends, parce que j'ai pas bouffé rien. Je suis pas bien là. Je ne suis pas bien. Oh mon dieu. C'est dégueulasse partout en plus chez moi. C'est dégueulassé. C'est dégueulassé. Comment désactiver? Tu peux le désactiver dans les options, Nico le dictatiel. Dans les options, tu peux. Je crois que ça doit être dans le gameplay. Ouais. Oula. Madame, elle s'est invitée. Mais qui êtes-vous, madame? Comment ça va, Ariana? J'ai vu que tu fais le buzz récemment, ça te dirait d'aller boire un café? Après tout, on se connaissait avant que tu deviennes célèbre. Oh, meuf. T'es sérieuse, meuf? D'accord, c'est ça, la célébrité. Istat, jouer une scène d'amour. Non, on va peut-être pas jouer une scène d'amour avec elle. Hein. Faut pas exagérer non plus. Bah écoute, t'as qu'à te boire un café ici, non? Bon, d'un côté, j'avais besoin de parler, donc pourquoi pas? Et merci, Elite Cover, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. Tu devrais faire son crush. Oui. Bah, en fait, vu que son crush, elle l'a eu au moment où sa carrière, elle marchait bien. C'est pour ça, en fait. Mais faudrait que j'aille me renseigner un petit peu. C'est quoi son crush actuel? Avec qui elle sort?
Et pour pouvoir refaire la même chose, quoi. Bon, j'ai pas la foi non plus de faire deux carrières, donc c'est pour ça que je veux d'abord qu'elle soit bien dans sa carrière, et puis après faire l'autre personnage qui sera déjà lui aussi bien dans sa carrière. On va parler avec elle. Et avoir la démarche de star. J'ai trop hâte aussi! Bonne réputation, lorsqu'elle se présentera à d'autres sims, Ariana aura des chances de commencer une relation avec une amitié plus élevée, car elle est maintenant précédée par sa réputation. Voyez, elle a une bonne réputation, Ariana Grande. Je suis fière de toi, Ariana. On va peut-être pas non plus aller jusque donner les clés de la résidence, mais c'est bien, continue comme ça. Coucou, Nono, comment ça va? La meuf, elle s'y est trop crue. Je suis sûre qu'elle ne voulait pas de toi, cette chouin. Bah oui, parce qu'elle m'a jamais donné de nouvelles jusqu'au moment où je devienne populaire. Hein? Hein, madame Anya? Fais pas genre. Tu as juste profité de ma célébrité. Elle est maladroite, d'accord. Bon, on est bien. Franchement, l'audition Fingers in the Nose. Hein, par contre, il y avait pas trop dans le frigo. Ah, je rêve où elle a enlevé la nourriture gâtée chez moi. Ah bah, pourquoi pas, hein, s'il y a des fois, il y a des fans qui viennent chez Ariana pour lui ranger son appart. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut récupérer, parce qu'ils avaient parlé d'une potion dans le truc, je sais pas quoi. On peut pas le prendre, non. Faudrait que je rapproche la boîte aux lettres quand même. Hein. Mais plus tard, vous allez voir, on fera une résidence Ariana avec un portail et tout. Je sais pas si... Franchement, ça serait bien. J'ai pas trop regardé, par contre... au niveau de la construction, ce qui est nouveau dans Heure de Gloire. Mais franchement, ça aurait été trop cool, genre qu'ils fassent un portail électrique et tout, genre un peu les portails à la américaine, comme dans les quartiers où t'as toutes les célébrités américaines. Et genre avec l'énorme portail où tu vois rien à travers, électrique, où t'as la voiture quand elle sort, c'est une voiture teintée noire. Enfin bon, je me vois déjà loin hein, avec Ariana, mais voilà hein. Elle aura une belle villa fermée parce que forcément pour pas que les gens chelous rentrent chez elle quoi. Ça viendra pas déménager. C'est vrai qu'on pourrait la faire déménager dans le quartier IP là. Comment il s'appelle là? Plus loin, il est vers là-haut là. Il y a un quartier dans le coin qui coûte assez cher. Le problème c'est que les maisons sont déjà faites. Mais c'est vrai qu'on peut déménager. Mais franchement, si on regarde bien le terrain là, il est assez grand quoi. Je le trouve déjà méga grand. Regardez la maison, elle est toute petite sur le terrain. En vrai, on pourrait, mais c'est vrai que le quartier, si tu regardes les maisons à côté, sont lambda. Et elle, je veux lui faire quand même une villa. Ça correspondrait pas trop dans le quartier. Oh, je verrai bien. Je vais voir si ça maturerait dans un autre quartier. On va voir. Il y a un grand coffre-fort. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, puisqu'elle va devenir une super star mondiale, super rich girl. Bon, maintenant, vu qu'on peut pas faire grand chose parce que bientôt il y a l'audition, hein, contempler. À contempler les cadeaux sous le sapin. Bah tiens, on va regarder la chaîne humour comme d'hab. Ça augmente la comédie et ça c'est bien. Par contre, madame, s'il te plaît, mets pas l'assiette par terre. Quoi, t'es sérieuse? Elle se barre. Elle m'a laissé l'assiette au milieu du salon, quoi. Non mais lol. Après, je pense que ce serait bien d'investir, c'est au moins dans un bureau. Et peut-être une table plus grande. Mais au moins un bureau, quoi, pour pas laisser l'ordi sur la table où on mange. Ça le fait pas trop. Je sais pas, Aziz, moi j'ai la version officielle. Reste là où t'es. Ouais, je sais pas, je verrai. D'abord, j'irai checker un petit peu dans le quartier un peu plus riche. Voir un petit peu ce que ça donne. C'est quand tu vas faire Harley Lilil? Ah oui, c'est vrai, ce serait bien qu'on fasse Harley... Mais Harley, la vraie Harley Lilil ou la Harley Quinn? Genre la vraie Harley Quinn. Restella, Rehamel. Bon, eh bien, je pense que pour Ariane, on va... Ouais, j'ai quand même envie d'aller voir si on réussit l'audition. On va quand même attendre jusqu'à l'audition pour voir si on a réussi ou pas, parce que ça fait déjà une heure qu'on est dessus. Bon, je pense que ce que je vais faire, c'est que moi, après l'audition, je m'arrêterai là, sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, si ça vous dit, dites-moi dans le chat si on voulait que je lance un petit live sur l'autre chaîne MSP. Et peut-être que ce soir, je ferai un live sur cette chaîne-ci, pour faire un petit peu de construction non rediffusée, peut-être. Quand elle sera stable, elle va vivre dans les grandes. Dans les grandes, tu vas lui faire sa maison. Bah justement, on va aller voir avant de quitter, je pense. On va aller voir les quartiers. Harley Lilil. La vraie scène de Suicide Squad. Vous voulez qu'on fasse une vraie Harley Lilil? Audition réussie. Franchement, j'en étais sûre de manière. Est-ce que ça vous dit qu'on aille. Qu'on crée aussi une Harley Lilil? Faudrait que je regarde pour des CC pour bien bien la faire. Comme ça, on crée une petite Harley Lilil, on crée un petit Joker. J'aimerais bien voir la tête de la vraie Harley.
Harley, on va appeler la vraie Harley Harley et l'autre la Harley Lilila. On va gérer. On va pas gérer les mondes. Si, c'est gérer les mondes, sauvegarder, gérer les mondes. De la défi. Oui, t'inquiète pas, ce live-là, le live d'Ariana. Désolé, ok. Le live-là, il sera toujours rediffusé, donc vous inquiétez pas. Alors, Adel, Sol Valley. Et en fait, là, vous avez les quartiers où nous on habite. Voilà, les trois maisons habitables. Et en fait, sur la vallée, je crois, ça s'appelle comment? The Pinnacles. Idéal pour les Sims riches et célèbres. Le quartier The Pinnacles inclut les maisons les plus chères de toute Del Sol Valley. Si vous voulez vivre ici, il va falloir gagner gros. Donc là, on a déjà la madame. Là. Bravo, petit chat. Bravo. Il a poussé mon mur, là. Enfin, mon petit mur, mon petit grillage qui est entre mes deux trucs. Donc c'est la madame riche qu'on la voit partout. Là, c'est une maison vide. Et là, ah oui, c'est Brad Pitt. Ok. Bah, la seule maison qui est vide ici, c'est celle-ci. Après, on peut bien sûr dégager les autres Sims. Hein. Ça, c'est la plus grande. Donc, on va aller voir, vu que c'est la plus grande maison de célébrité. J'ai juste envie d'aller visiter. On va juste aller en mode construction, juste pour voir un petit peu la maison. À quoi elle ressemble. On va aller voir, on fait des sœurs. Coucou flic. Tu te rappelles des TikTok de Arlélilil? Ah, bah bien sûr, je m'en rappelle. Remis lol. Faut que tu live, ça me va. Ok, ça marche. Faire The Demon Queen. Alors, on va se mettre en jour quand même. Ok, donc vu de haut, la maison, ça donne ça. Voilà, donc vu de haut, la maison. Ouf, oh là là. Ouh là 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 là, mashallah. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Bon, par contre, j'aurais bien voulu qu'il y ait genre une clôture tout ici en fait, que ça se ferme ici pour que ça fasse genre qu'il n'y a pas tout le monde qui puisse venir comme ça. Bon, après, honnêtement, je suis pas super, super méga fan de la maison. Hein. La piscine comme ça ici, un peu vide, je trouve. Pas forcément le plus beau des trucs que j'ai vu hein, au niveau créatif. Hein. Surtout que maintenant on a les plaines et tout. Franchement, on pourrait faire un truc encore plus beau sur une colline encore plus haute. Je suis pas super fan, qu'est-ce que vous en pensez? Mashallah, elle m'a tué, tellement beau. La colline, je la trouve super belle, hein, surtout ici, enfin, je parlais surtout de ça, du contour et tout. Après, la maison en soi, je la trouve pas forcément ouf. Limite, je préfère la petite piscine de ce côté-là que le truc carré dégueu qu'il y a de ce côté-ci. Ici, je trouve ça un peu plus joli. J'aurais préféré un truc avec genre un garage, avec des voitures de luxe, vous voyez, ce genre de choses. Oui, il y a un truc en haut comme ça, c'est un peu useless, mais c'est beau quand même, ça rajoute de la profondeur à la pièce. C'est pas là où je l'avais. Donc ça, c'est la pièce. Ah d'accord, donc en fait, pour entrer, j'ai pas fait gaffe, mais il faut monter les escaliers. Ça, c'est pas ouf non plus. Enfin, c'est pas assez bien décoré, ils auraient plus dû jouer avec les plaines et tout, rajouter de la plaine, enfin faire un truc bien. Surtout avec que Heure de Gloire est venu en même temps que justement les surpasses des plaines, etc. Moi, tu m'as bloqué sur Discord. Non, je t'ai pas bloqué, c'est juste que maintenant j'ai désactivé les gens, ils peuvent plus me contacter en privé sur Discord, sauf les amis. Simscat à moins 50% et chien et chat aussi. Bah oui, Kimi. Il y a encore les promos. C'est un peu vide la piscine carrée dégueu. Ouais, on est d'accord. Hein. Intérieur de la maison, c'est pareil. Enfin, c'est grand. C'est un loft en fait. C'est vraiment un loft. Mais c'est du coup, c'est assez vide. Même en tant que loft, pour un loft, je trouve ça assez vide. Là, c'est quoi? C'est une sorte de. Ah, ça, je pense que ça est. Ouais, une salle de bain. J'allais dire que ça ressemble à... Moi, il me faudrait le kit lessive pour me rajouter encore plus de trucs à gérer. Le kit lessive, je l'ai toujours pas. Donc, je profite. S'il y a encore les promotions, il faudra que je regarde si je peux me le prendre. Pendant qu'il y a les promotions. Et en bas, du coup, qu'est-ce que c'est? Oula! Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça, le coffre. Et ça sert à quoi, ça, sinon? C'est une pierre dégueulasse avec une pieuvre qui est morte dessus. Ça se passe comment? C'est quoi? Ah non, c'est une tête de dinosaure, c'est une méga grosse tête de dinosaure. Parce que moi, je voyais de cet angle-là, moi, je voyais une pieuvre séchée sur un caillou, quoi. Mais en fait, si on regarde de cet angle-là, on voit que c'est bien une tête de dino, quand même. Elle est vide pour une maison de riche. Ouais, on est d'accord. Mais c'est vrai que le truc du coffre-fort, c'est marrant, c'est rigolo. Par contre, quoi mettre dedans, c'est un peu une autre histoire. Alors, est-ce que c'est ça, la chambre? Après, oui, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de rideau. Du coup, en fait, les lits, c'est les capsules. Il n'y a rien pour cacher les gens quand ils vont dormir. La chambre, elle est vide. Là, il y a deux douches. Il y a 36 salles de bain. Ah si, ça, c'est un lit.
Là, il y a un lit. Ce côté-là, ça passe mieux parce que ce côté-là, il y a une vue un peu plus dégagée, un peu moins de voyeurs. Mais alors là, le sur le devant, je suis pas fan. Et voilà, il y a voilà, une salle comme ça avec juste une fontaine. Bref, on se croirait plus dans un musée ou je sais pas, ou dans une entreprise vraiment que dans une maison. Franchement, ça fait pas vraiment famille, etc. Non, je suis pas fan de l'infrastructure de la maison. Je suis vraiment pas fan. Je t'ai trouvé sur Zepeto. Ah, nice. Coucou The Joy. Coucou à toi. C'est pas le coffre-fort, c'est juste une porte. Ouais, enfin voilà, mais ça fait effet coffre-fort. Enfin, on dirait limite un truc de banque en fait. On dirait une porte de banque. Une porte de coffre-fort quoi. J'ai aucune idée, j'ai acheté jeudi dernier. Tu sais, c'est quand la prochaine grosse promotion qui me prenne heure de gloire. Je sais que là il y avait les promos du Black Friday. Il y avait lundi, c'était Cyber Monday. Peut-être qu'ils ont pas encore enlevé les promos, je sais pas, vérifier. Ouais, voilà, ils sont pas foulés, Kili. On est d'accord que là, je suis un petit peu déçue au niveau de cette maison. Après, enfin, je suis déçue, pas déçue. De toute manière, je l'aurais changé, je pense, à ma manière, hein, dans tous les cas. Mais si ce n'est que ça, ça va encore. Si ce n'est que ça. Après, les autres maisons, j'ai pas vérifié, mais vu que les autres maisons, elles sont habitées, j'ai pas trop regardé. Mais déjà, la vue de loin, franchement, on peut mieux faire en termes de maison de célébrité, quoi. On peut mieux faire, hein. Même de loin, je vois qu'elles ont pas l'air ouf, hein, les deux. Hein. Les deux n'ont pas l'air ouf. Celle-là, elle a l'air sympathique avec la grande terrasse ici. Franchement, ça fait super. Mais celle-là, je suis un peu moins fan encore. Ouais, on peut mieux faire. Bon, après, heureusement qu'il y a la galerie hein, pour partager les maisons et pouvoir prendre une maison de quelqu'un qui a mis du temps et beaucoup de travail dans quelque chose qui me plaît. Ils ne les ont pas enlevés, mais il n'y a pas les kits en promo. Ah mince, bah du coup, pour les kits, vous pouvez toujours essayer d'aller sur des sites comme G2A ou Instant Gaming pour les kits. Des fois, ils font. Ou bien des Humble Bundle où ils proposent en fait trois trucs. Genre souvent un pack, un add-on et un kit. Ou des fois un pack et deux kits. Et comme ça, franchement, limite au même prix, vous avez des trucs en plus. Voilà. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Pour les Sims 4, pour Ariana, j'espère que ça vous aura plu et que cette petite review de la maison des quartiers riches de cette Del Sol Valley vous aura plu. Heure de gloire, ouais, parce qu'il vient de sortir, donc vu qu'il vient de sortir, ils l'ont pas encore mis en promo Heure de gloire. Ouais, ça me paraît logique, quoi, qu'Heure de gloire soit pas encore en promo. Mais on est bientôt en décembre. Et qui dit décembre, je pense, dit promo. Et je pense qu'il y aura des promos pour décembre, pour Noël, pour toutes les personnes qui veulent reprendre les Sims. Je pense que Heure de Gloire sera en promo aussi. On verra bien, dans tous les cas. Arrête pas le live, il me reste 5 citrons pour... Mais t'inquiète pas, Roman, on reprend le live sur MSP, sur l'autre chaîne. Voilà, on reprend le live sur MSP. Donc, je vous dis à tout de suite sur le live MSP. Je lance d'ici 5 minutes le temps de préparer le live et je suis... sur l'autre chaîne, voilà, donc merci d'avoir regardé le live, merci à les personnes qui regarderont cette rediffusion, voilà, parce que c'est rediffusé, et sur ce, je vous dis à tout de suite sur l'autre live, ou bonne soirée, gros bisous à vous, ciao ciao.